Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur Rito. Oh, Rito fait trop de jaloux ces derniers temps. Je sais même pas. Depuis mes débuts jusqu'à maintenant, j'ai toujours des personnes qui me jalousent. Je sais même pas pourquoi. Vous n'aimez pas ma tête, mais vous êtes toujours là. Vous parlez de moi par-ci, vous parlez de moi par-là. Oh, franchement. Ben, c'est la vie, hein. C'est la vie. On peut pas plaire à tout le monde, les amis. On peut pas plaire à tout le monde. Tant que vous, mes fidèles abonnés, vous me suivez et vous continuez de vous abonner, je ne peux qu'être heureux. Et puis laisser les chiens aboyer. Moi, là, ma caravane passe tranquillement, quoi. Voilà. En tout cas, je vais super bien. Ne vous inquiétez pas, je vais super bien. Et puis, je vous annonce que je me lance bientôt dans le micro-trottoir. Mais mon micro-trottoir sera très spécial. Là, je peux vous le promettre. Il sera vraiment, vraiment spécial. Ça sera pas les micro-trottoirs que vous voyez là. Voilà. Moi, je vais poser les vraies questions. Et puis, ce sera surtout sur le coupé-décalé. Parce que moi, c'est d'abord la promotion de la musique ivoirienne avant de se jouer les fous, avant de rigoler et tout. Voilà. Donc, soyez prêts. Je suis en train de concevoir un petit spot vidéo que je vais mettre en début de vidéo pour vous annoncer, pour préparer déjà votre esprit à ce grand micro-trottoir que je vais démarrer très bientôt. Soit dans le mois de décembre ou soit en début janvier. En tout cas, restez connectés. Vous n'allez pas regretter ça. Voilà. Et puis ne vous inquiétez pas. Vous m'aurez toujours pour venir mettre les pendules à l'heure. Vous m'aurez toujours pour venir conseiller. Vous m'aurez toujours pour venir dire certaines vérités à certaines personnes. Donc ne vous inquiétez pas. Mais bientôt, le nouveau contenu, ce sera le micro-trottoir, les amis. Le micro-trottoir. Ah, spécial showbiz ivoirien. Et c'est que ce micro-trottoir-là va faire beaucoup, beaucoup de buzz. Parce que là, je viens vers vous. Vous qui commentez là, je viens vers vous, vous allez donner votre avis sur moi, sur nos stars, ce que vous pensez vraiment de choses, de tout ça. Donc restez connectés, restez connectés. Ce micro-trottoir va forcément vous plaire. Comme je vous ai dit dans le titre de la vidéo, on va parler de Dolizien Adé Bordeaux, un artiste que j'admire beaucoup, un artiste que j'admire beaucoup, et de Safaero Le Biang et Ariel Chiné. Mais avant, comme je sais que toutes les fois que je mets une vidéo de mon pote qui dit les vérités, il y a toujours bon retour, j'ai envie de vous faire passer encore une de ces blagues. J'espère que vous allez apprécier. Si vous appréciez, partagez la vidéo pour que vos amis puissent connaître cette blague-là aussi et puis s'en marrer, quoi. Ok, donc bon visionnage et à tout à l'heure. Bon, la famille, encore une autre vérité de ma part. Voilà quoi. Voilà une jeune fille. Elle partait à l'école. Quand elle est arrivée au collège, elle est en quatrième, elle a eu des jeunes pointeurs. Elle vient dire à sa maman, ah maman, il y a les jeunes qui me font la course. Sa maman dit, non, ma petite, ma fille, faut laisser cela. Faut attendre. Concentre-toi sur tes études. Quand tu vas avoir ton BPC là, tu vas voir, tu auras des petits chéris. Elle s'est concentrée sur son BPC. Elle arrive en seconde. Première, elle a des pointeurs, viens voir sa maman. Sa maman dit non, ma fille, laisse cela, ils vont t'embrouiller. Concentre-toi, faut avoir le bac. Quand tu vas avoir le bac, tu seras à l'université là. Là, c'est libre. Tu vas voir les petits chéris, ton joli chéri étudiant, vous serez ensemble. La petite a lutté, elle a son bac. Elle arrive à l'université. Il y a les pointeurs. Sa maman dit ma fille, faut laisser cela. Faut te concentrer, faut avoir tes diplômes. Quand tu vas avoir tes diplômes là, et puis tu vas travailler là, tu vas voir, tu auras de bons hommes, et puis ils vont te respecter. Elle dit maman, j'ai compris. Elle s'est concentrée, elle a eu tous ses diplômes. Elle a eu bon travail, elle a commencé à travailler. Elle a voiture, la maison. Les hommes ont peur de l'approcher maintenant. Elle vient voir sa maman. Ah maman, tout ce que tu m'as dit là, il est fait. Aujourd'hui, il y a travail, il y a voiture, il y a tout, il y a l'argent. Mais je n'ai pas de gars, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de pointeur, ils ont peur de m'approcher. Sa maman dit ma fille, c'est pas grave. Quand tu vas mourir, quand tu arrives au paradis là, Dieu va te donner beaucoup de maris. C'est-à-dire, toi seul, tu auras 10 maris pour toi seul. Elle dit, ah, d'accord, la vie elle est pressée. Donc, elle s'en l'immeuble, elle s'est tuée, elle va aller au paradis. Elle est pressée d'avoir un gars. Elle est partie à l'immeuble, elle s'est mise sur la dalle, en bordure de la route. Elle s'est jetée par terre. Donc en tombant, il y a un camion chargé de bananes qui passait. Bouh! Elle est tombée dans le camion, au milieu des bananes là. Elle s'est évanouie. Donc maintenant, quelques minutes après, elle a commencé à reprendre connaissance. Elle ne voit pas trop bien. Elle se réveille un peu, ses yeux sont un peu fermés. Elle regarde en haut, c'est le ciel. Elle passe au paradis. Mais elle touche à côté là. Toi, du, tu es. Elle touche, toi, du. Elle dit, maman m'avait parlé. Les garçons du paradis, vraiment. Patientez, chacun aura son tour. Hein? Ne vous pressez pas, chacun aura son tour.
Non, c'était ça la famille. Franchement, ça là, tu vois, bon, il reconnaît mon ami, il ne dit plus la vérité. Un menteur, même, un vrai menteur. Tiens, c'est régime de bananes. Chacun aura son tour. Il y a pas de drap, ok, il y a pas de problème. J'espère que la blague vous a plu, les amis. Voilà, on démarre la vidéo maintenant. Bon, avant de tomber sur le carré chaîné, ça ferait le bien que j'aimerais m'attarder quelques minutes sur Doliziana de Bordeaux. En fait, Doliziana de Bordeaux, c'est un artiste de la vieille école, de la très vieille école du coupé décalé. Un artiste qui a fait beaucoup. Il a un peu du style de Bordeaux. Il a fait beaucoup de featuring. Il a posé sa voix sur beaucoup de chansons. Jijika, Molari, beaucoup, 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 Claire Bailly, beaucoup. Et puis comme ça, il a décidé de se lancer dans une carrière solo. Et Dieu merci, il a fait sortir Conan le Barbare, qui a cartonné comme de malade. En tout cas, ceux qui connaissent déjà de Bordeaux, tâchez-moi de le dire en commentaire, parce que franchement, c'est un artiste qui ne se retrouve plus. Il faut qu'on dise les choses par le nom, il faut qu'on appelle les choses par le nom. Il essaie de faire sortir ces trucs, ces sons ces derniers temps, mais franchement, c'est difficile. Oh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts, il connaît des Bordeaux, il connaît DJ Rafat, il connaît tout le monde dans le milieu, mais je sais pas pourquoi. Ces sons ne moussent plus. Oh, jadis, après Conan le Barbare, il a enchaîné, c'était succès sur succès, succès sur succès. Je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que quelqu'un qui est beaucoup, 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 on va dire, beaucoup pieux, beaucoup chrétien, c'est vrai qu'il se joue les fous souvent, il se joue les bagarreurs, mais c'est quelqu'un qui est très, très, très posé dans la tête. Voilà. C'est pas les gars qui couvrent les forces occultes, non, c'est pas ce genre d'artiste-là. Donc je comprends pas. Donc moi je m'interroge. C'est nous qui l'avons oublié, c'est nous qui l'avons ignoré, mais c'est lui-même qui n'arrive pas à faire sa promo. Voilà. Donc, déjà là, de Bordeaux, si tu vois cette vidéo, moi je sais que tu es un artiste très très fort. Tu as une superbe voix, tu es super talentueux. Essaie de te bouger parce qu'on a besoin de toi aussi. Voilà, on a vraiment besoin de tes animations, on a vraiment besoin de ta musique. Tu as essayé de faire sortir La Chicotte à Papa, qui est un très bon son, mais bizarrement qui n'est pas passé. Faute de promotion, je crois. À mon même avis, hein, La Chicotte à Papa, c'était un son qui devait te relancer, mais on ne sait pas. Tu as fait sortir beaucoup de sons, mais qui sont passés inaperçus. Et moi, ça me choque. Doliziana de Bordeaux fait sortir un son qui va passer inaperçu. Franchement, franchement. Voilà. Donc, les amis, j'aimerais par le canal de ma chaîne vous demander de soutenir désormais tous les artistes du coupé décalé. Et c'est par ce soutien-là qu'une vraie réconciliation va venir. Voilà. Franchement, j'aimerais aussi que vous reteniez quelque chose. Je suis fan des Bordeaux, les Koufa. Tant que mon artiste fera quelque chose, je vais toujours le soutenir. C'est pourquoi je le soutiens, lui et son pote Arafat, pour ce concert du 29 décembre, ce concert historique-là, qui se veut réunir tous les acteurs du coupé décalé. Mais j'ai décidé formellement d'aider tous les artistes coupé décalé. J'espère que vous allez me comprendre, j'espère que vous allez comprendre ma philosophie. Mais en même temps, je précise pour dire, si un de ces artistes coupé décalé là, faute, je vais dire son vrai nom. S'il déconne, je vais dire son vrai nom. Voilà. Moi, je ne suis pas le mec. C'est bon, c'est pas bon, je suis dedans. Je ne suis pas comme ça. Voilà. C'est à cause de certains fans de Serge Beno, du Mola, de Baby Philippe, parce que je fais souvent des analyses qui ne comprennent pas, qui viennent toujours insulter mes artistes. Donc, j'ai dit que je n'allais même plus fustiger mes artistes. Voilà, c'est pourquoi. Sinon, moi, on me connaît. Il y a d'autres même qui disent que je clashais avant. Oui, je clashais avant. Je clashais avant parce que je suis quelqu'un de naturellement, j'aime pas foutre. Donc, quand vous voir me clasher, ça me fait rire. Pas besoin de vous répondre parce que c'est comme le jour et la nuit actuellement. Voilà, je suis pas en concurrence avec quelqu'un. Je sais où je vais. Et puis, vous allez venir prendre conseil avec moi. C'est moi qui vous le dis. Voilà, c'est pas. Comment on appelle ça même? C'est pas de la prétention, c'est ce qui est. Voilà. Jusque-là, vous avez bien remarqué. Je passe pas mon temps à critiquer des gens, hein, ceux qui font des vidéos. Je me concentre sur ma musique ivoirienne. Voilà. C'est ça le plus important. Donc, Doliziana de Bordeaux, franchement, on a besoin de toi. On a besoin de ta musique. Faut te réveiller. Parce qu'on parle plus de toi. Doliziana de Bordeaux, on parle plus de toi. Tu as le pseudonyme de mon artiste. C'est pas normal. Tous les de Bordeaux sont des 10. Tous les de Bordeaux sont des grands chanteurs. Et tu l'as prouvé avec tes œuvres passées. Tu es encore très jeune, je ne sais pas ce qui se passe, mais on a besoin de te voir sur la scène musicale. On a besoin de ton retour fort. Voilà, donc je vais t'emmerder ces derniers temps-là. Je vais vraiment t'emmerder pour que tu puisses te réveiller. Ceci étant, effectivement, il ne faut pas qu'on va se mentir. Arel Chiné est venu anéantir Safari Lobianc. Moi, ça me fait mal parce que Safari Lobianc n'a pas écouté
mes conseils, nos conseils. Quand tu es inspiré, faut pas te presser. Quand tu te mets dans la tête que tu es en concurrence avec quelqu'un, dis-toi qu'il aura toujours un premier. Et ce premier, ce n'est pas forcément toi. Et là, il y a problème. Mais quand tu fais ta musique pour tes fans, tu fais ta musique avec beaucoup de précision, de professionnalisme, mon frère, il n'aura pas sorti tous les sons qu'il veut. Ton son mousse toujours. On me dit Goumouli mousse. Bon, c'est vous qui le dites, mais moi, je sens pas le Goumouli. Peut-être en décembre, ça va prendre. Ça fera le bien. Depuis ces deux dernières années, quand il fait sortir un son, ça ne dure pas deux semaines, ça commence à prendre. Mais à peine on parle du Goumouli. On entend que Simpa, Simpa, Agazagaza, Agazagaza, Saboué, Saboué, Simpa, Simpa, franchement Simpa en train de bousiller, ça fera le bien. Et moi, ça me fait mal. Je vais le dire haut et fort, ça ne va pas plaire à plus d'un, mais je dis la vérité, vous savez. Oh, il n'y a même pas un mois, il n'y a même pas deux mois. On clamait ça fera le bien sur toute la toile. Tu as tué avec Manger Chier, tu as tué avec Léi, tu as tué avec Tchin Tchin. Oh, quand même. Même tu as fait un soir décalé qui m'a plu bien. Et puis, comme ça, tu es perdu, tu te retrouves même plus. Tu es en train de te chercher. En tout cas, Aral Chéné, félicitations. Félicitations. Et j'espère que tu ne vas pas faire la même erreur aussi. Voilà. Je sais de quoi je parle. Je pèse les mots quand je parle. Je ne suis pas un astre de la musique. Mais c'est juste des observations que je fais. Et ça tombe généralement sur moi là, les amis. Donc ça fera le bien. Faut te réveiller. Faut te réveiller. Parce que ton lit moussait au calme, sans bruit. Tu t'es laissé influencer par la critique et par certaines personnes. Goumouli. Bon, on va Goumouli, hein. Goumouli en train de te Goumouli. Goumouli en train de te Goumouli. Simba et Lee, ils prennent de se faire la concurrence tranquillement. Tu es venu mettre Goumouli. En tout cas, faut revenir en force parce que franchement, tu es en train de perdre ta place. Tu n'avais plus le flambeau comme ça. Et tu l'as lâché. Bon, les amis, c'est la vérité que j'avais envie de vous dire. Hein. Ça fera le bien en train de contrôler au calme la nouvelle génération. J'espère que cette vidéo-là, elle vous convainc. Et partagez-la si elle vous a plu. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.